Elle apprend, elle vient de venir, on commence à l'appeler. On va chez commence avec camarade, elle a même commence avec camarade Astia. Je représente Boris. Quand on a joué boule, on a gagné une médaille. Et c'est ça. Qui est l'équipe préférée? Portugal. J'espère qu'on va venir un grand football et on va gagner une médaille. Là, comme moi, pas. Et puis j'ai 7 ans. J'aime le football parce que mon papa était en train de jouer au foot. Et moi aussi, je veux venir champion par exemple, mon papa, pour remporter la finale contre Manchester. Depuis que j'ai 7 ans, je commence le football. Mon papa est belé. J'allais quand même dire que pour l'académie, je commence le premier jour. Le premier jour, je suis content. Là, je vais papa comprendre. Moi, toutes les semaines, je commence à adapter. Qui te l'est plus préféré? Liverpool. J'ai 10 ans et j'aime bien le foot parce que c'est mon rêve de devenir un grand footballeur pour jouer dans Liverpool. C'est mon club préféré. Ce qui nous suit un petit peu dans le passé, ça reste tout le temps dans le sang, moi, de dire, pourquoi pas aujourd'hui, nous dire. Une renaissance faillée dans à Maïbourg. Enfin, c'est mais ça a une passée un petit peu à travers l'île. Mais moi, c'est pas la faillée brigade tout le temps, vous dire. Comme on fait ça, c'est une 10, c'est non faillée. Quand j'ai entendu nos mains dans faillée à l'époque, mais moi envie, comment dire, reprend la relève. Je dis dans Maïbourg, nous avons la qualité, nous avons le potentiel. Avec mes parents qui nous répondent positivement, comment le dire, je dis nous est un petit groupe vraiment extraordinaire tous les dimanches depuis le début. Début de juillet, qui nous commençait. Et vraiment, formidable. Nous avons coupé gagné. Man demande, man joué, man parents qui peut téléphoner, qui peut dire aujourd'hui. Ouais, une affaire qui est bien importante dans la région, surtout Maïbourg. Quand je dis Maïbourg, c'est la région Grand Pau. Hein. La région Grand Pau. Bon, pensez, il y a une parents qui nous fait appel à moi, mais il paraît un petit peu loin pour eux. Enfin, nous avons un problème de terrain, mais moi, nous avons un petit terrain là. C'est beaucoup mieux pour nous capables de faire notre travail. C'est pas tout. Depuis que nous avons commencé, je viens dire. 50 tous les semaines, pendant 4 semaines, là, qui nous répondent présents. D'accord, ils étaient regroupés dans différentes catégories. Oui. Catégoriquement, déjà, nous prenons de. Moi, on peut dire de 7 ans à 10 ans. 7 ans à 9 ans. 7 ans à 9 ans, après une fois 10 ans, 11 ans, N. Après, nous prenons 13 ans, 15 ans. Mais nous avons un DA assez grand. Mais pour l'instant, vous limite moi à ça, c'est parce que le terrain, il paraît un petit peu. Là où tu viens, un petit peu comment nous embrouiller avec ce terrain-là, pour nous mettre un petit peu grand. Il paraît un petit peu trop. Peut-être plus tôt, nous vous disons que vous êtes décalé jour l'entraînement ou peut-être que vous avez fait deux fois ou trois fois la semaine. Comme ça, nous sommes capables de regrouper toutes les catégories. Pour l'instant, nous sommes là, nous sommes contents de nous et ce qui nous est là, nous sommes capables. Et si nous sommes là-bas, pour nos parents même, d'investir, les plis un petit peu, comment nous pouvons dire. Un petit peu sécurité, comment nous dire. Là-bas, nous avons un vestiaire, nous avons une toilette, c'est tout. Là, nous avons des filles qui n'est pas vraiment correct pour nous. Vous comprenez? Nous avons un vestiaire, nous avons un gradin, il est bien en sécurité, parents, il est safe là-bas, mais enfants là safe, mais le vestiaire, il est beaucoup plus mieux si nous avons un prédateur pour nous. D'accord, est-ce que vous trouvez nos enfants, il y a l'enthousiasme depuis que je suis venu, quatre sessions, est-ce qu'il y a l'enthousiasme, l'envie d'apprendre? Oui, beaucoup. Moi, franchement, moi, tout le temps, quand je débute, même si je termine mon entraînement, je prends un peu de point de vue. Si je peux enjoy, comment nous dire, mais finalement, on trouvait qu'ils sont vraiment extraordinaires. Il y en a qui attendent ça dimanche ensuite, il est venu. Après moi, la discipline, nous a fait bien important. On trouvait comme un jeune éveil, vraiment, nous avons fait un petit point à l'heure, comment nous dire. C'est mon rêve, voilà. C'est mon rêve, mon envie de faire ces affaires-là bien, correctement. Comment on débutait à l'époque, petit. Pour venir jusqu'au bout, jusqu'à là, puis dire, ben, nous avons envie de faire des affaires là comme ça. Hein. L'objectif, nous faire des enfants là, voilà. Nous ne connaissons pas, dire nous ne connaissons pas, moi, je voulais que demain, quand les enfants là peuvent sortir, ils gagnent qualité, ils peuvent sortir, ils gagnent PMI, ils gagnent licence, au moins, ils peuvent briller dans une sélection nationale. Ça, mon rêve, vous voyez tous les enfants là, je vous dis. C'est une fierté pour moi. Puis, ils m'ont dit des affaires, ils m'ont dit des affaires, quand à l'époque, quand je dansais en technique, Roseville. J'ai dit mon fier comme tout Stéphane Nabab, ça a un joueur qui nous sortit en moi, comme tout l'année dernière, j'ai des îles, c'était une fierté. Tout le monde dit à moi. Pour moi, comme vous précisez, ouais, Stéphane Nabab, quand il nous sortit, je crois qu'il est à moi, moi réapprécié. Pour mes enfants qui ont toujours bossé avec moi, j'ai dit mon petit peu briller. Ce qui m'a dit mes enfants là, j'ai dit,
Donc je dis comme vous tous autres, demain après demain, dans une sélection nationale, c'est une fierté pour moi. Moi, pour partager mes connaissances, demain, quand tu as contact, il ça apporte son fruit. D'accord, est-ce qu'on peut prévoir pour participer dans le tournoi? Oui, après, ça, normal, ça, une affaire li, bien importante. Comme tu dis déjà, Jason, les sniffers nous a fait petit à petit, doucement, doucement. Là, au fur et à mesure, nous prenons un affrontement, nous prenons un échange que nous pouvons faire à travers l'île.